Charitas, comment ça va? J'espère que vous allez très très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Chérie. Comme vous avez vu le titre de la vidéo, on change rapidement. Mais là, aujourd'hui, pour le coup, rapidement, en 5 minutes, make-up et 2-3 minutes, coiffage. Donc, pourquoi pas essayer? Ça vous intéresse? Continuez à regarder. Pour être franche, ça c'est la première fois que je vais me maquiller en 5 minutes. Vous voyez mes cheveux là, sont gras, sont exprès. Je les fais exprès pour moi pour aujourd'hui, pour vous montrer comment on peut tricher rapidement pour être prêt en maximum 10 minutes en coiffage et maquillage. Mais là, c'est 5 minutes maquillage, on est d'accord? Donc là, mon téléphone elle est prêt. Yes, 5 minutes. 1, 2, 3. Ok, ma chance, on applique le primer. Je vais appliquer un primer pour m'aider à justement avoir un peau éclatante. Le primer, ça sent vraiment excellemment bien. Quand je suis pressée comme ça, je n'applique pas un fond de teint liquide. Je passe directement à un fond de teint et en couchant comme ça, cela des Mali. Le teint c'est médium et Mali, si vous connaissez pas Mali, Mali Ronquel, c'est la make-up artiste de Beyoncé. Donc je l'applique rapidement dans mes paupières, partout, pour avoir unifié mon teint. Ce fond de teint elle est super. Je vous demande pardon pour ma voix, elle est vraiment catastrophe. Là j'ai chopé un rhinopharyngite je pense. Et là je suis en plein, ça va mieux déjà. Parce que quelques jours avant j'étais pas trop bien. Donc avec ça, on est presque bon, à mon goût. Le teint est déjà bien unifié. Et c'est ça que je cherche. Ok, on va passer maintenant à un anti-cerne. Je vais appliquer le Maybelline. Hop. Hop, hop. Je mets juste un... le bien... rangé, on va dire. Un petit peu dans mes paupières aussi, un petit peu là pour unifier mes montants. Hop, ok. Une fois que tout ça c'est appliqué, on va appliquer un petit peu de fond de teint en poudre. Moi j'applique cela de Mali aussi en teint médium et en même temps, c'est un fond de teint qui va ajouter un petit peu de la couvrance. On va dire en même temps, on va rester. Hop, ouais, je vais appliquer maintenant un bronzer. Cela, je vais appliquer le Hoola des Benefit. Ah, non, 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 je joue pas comme ça aujourd'hui. On va m'appliquer un petit peu comme ça. Hop, hop, et on va stamper juste un petit peu comme ça, juste pour chauffer un petit peu le temps pour que ça ne monte pas trop. Hop, on va appliquer un petit peu de blush. Je vais appliquer cela de Becca. Je sais pas combien je suis. Le teint est déjà beau. Je pense que c'est bien. On va passer maintenant à faire les sourcils rapidement. Je prends mon crayon de MAC et je vais juste créer un petit peu de poils juste pour définir un petit peu plus mes sourcils. Et voilà, un petit peu là, comme ça, pardon. Pas trop foncé, un petit peu là. Maintenant, je vais appliquer un fard à paupières en stick. Celui-là, c'est le numéro 5 des... Puis dans toute ma paupière mobile, un petit peu aussi dans la paupière inférieure. Ok, ça je vais l'estomper. Je prends la palette New Dédé. Hop là. Ah non, pour favor. La palette New Dédé. Comment s'appelle? Rimmel London. Je vais juste estomper le bordure. Prendre un petit peu de la profondeur. Ouf, elle est trop pigmentée cette palette. Franchement, wow. Wow, rien à dire, elle est trop pigmentée. Je passe un petit peu. C'est pas grave. Comme vous voyez, c'est une chose que je n'ai pas programmée. On l'a fait comme ça pour vraiment
Bon, mais c'est marrant, elle est vraiment hyper pimentée. Ok, un petit peu comme ça. Un petit peu de mascara. Hop. Hop. On se rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Hein? Hop. On va passer un petit peu de highlight. Et on passe à le rouge à lèvres. Je vais cliquer sur la Too Faced. Je pense qu'il nous reste quand même 5 minutes encore pour arranger un petit peu les cheveux. Et justement pour les personnes qui allaient pour les cheveux, on va dire, qui sont bruns, châtains, bon français. Je trouvais que faire cette information rapide pour nous sauver la vie quand vraiment on est pressé, je pensais que ça va être vraiment un bien. Comme par exemple, on est d'accord, hein, les cheveux, on se lave une fois par semaine ou deux fois par semaine maximum, charitas. Et ça, c'est une astuce qui utilise beaucoup pour espacer mes shampoings. Comme chez vous, sont moyens de voilà, mais là, c'est trois jours, je pense. Donc là, je pense que demain, il faut me laver les cheveux. Mais on va dire que cette vidéo est justement pour quand on n'a pas vraiment le temps. On est vraiment 5, 6 minutes, 7 minutes pour s'arranger. Et donc, voilà, je vais vous montrer comment d'habitude je m'arrange. Donc, comme c'est l'hiver, il fait froid, donc on utilise beaucoup de bonnets ou des choses comme ça. Donc, je vais présenter mes petites extensions. Je vais vous montrer. Celui-là, c'est mes extensions que j'utilise, on va dire, quand je n'ai pas vraiment le temps pour me coiffer, vraiment pour aller très très vite. On est d'accord, là, on part dans 2 minutes et on est, on va dire, prêt pour partir. Donc, hop. Ça, on crée un petit peu de la longueur. Comme on dit, lisse, ça fait l'air tout propre. Hop, on va dire comme ça. Ok, et après, je décolle un petit cap de cheveux comme ça. Hop, on va se transformer. Hein. Donc, et donc je pose cette extension qui je les aime beaucoup parce qu'il fait comme ça, c'est un sol, il y a un 4 clips, ça c'est la marque, et on va juste l'appliquer comme ça. Mais attention, ça je vais le faire en 2 minutes chrono, en profitant que ça c'est déjà lissé, on va dire, et mes cheveux sont sale ici, mais cette partie là, soit vous pouvez le laisser là parce qu'en appliquant le shampoing sec, automatiquement on va lever le gras des cheveux et cheveux vont être vraiment bien rapidement présentable, on va dire. Ok, donc pourquoi pas le laisser comme ça. Ou quand si vous avez, vous ne vous sentez pas sûr, vous croyez qu'ils vont pas le voir, ils vont avoir que vous avez des extensions, une autre option c'est ça. Et hop, charitas, voilà, avec un petit bonnet, ça change complètement tout, ça donne plus de l'assurance, parce que des fois, si vous voyez qu'ils vont voir les extensions, ah, il y a des personnes, ça donne un petit peu d'assurance, vous pouvez bouger partout, vous voyez, votre cheveux, les extensions automatiquement, comme on sont déjà coiffées, ils vont couvrir votre cheveux qui sont un petit peu cracra. C'est excellent pour les mamans qui n'ont pas beaucoup de temps pour se préparer. Vous voyez, cette astuce, je pense que pour tricher un petit peu et changer de tête rapidement. Bon, charitas, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En tout temps, prenez soin de vous.